Quatrième jour sur la haute route, la célèbre randonnée à ski entre Chamonix et Zermatt. Les bons skieurs peuvent descendre le couloir. Paul et Peter peuvent descendre en se tenant à la corde fixe. La pente est à nouveau très escarpée. Elle atteint presque 45 degrés. Frenzy Hofdenblatten et Dominique Guizine, ex-championne de ski, se risquent dans le couloir neigeux. Pour les autres, la corde fixe est bienvenue, car une chute à cet endroit aurait des conséquences dramatiques. Le groupe de randonneurs a quitté la cabane il y a déjà 6 heures. Il est midi et il fait très chaud. Il leur reste à parcourir le très long et redouté passage qui longe le lac des Dix. J'espère que là-bas, il y a encore une autre descente devant nous. C'est bon. On va où maintenant? On suit la trace? Oui, le long de la trace, c'est ça. Les descentes, ça va bien. Les belles descentes, c'est d'ailleurs ce qui me motive à faire de la randonnée. Mais maintenant, la neige n'est plus très bonne. C'est dommage. C'est comme ça au printemps. Quatrième jour de la randonnée. Le plus pénible et le plus long. Il va faire chaud. Et on va marcher longtemps. Très longtemps. La veille, David Fazel, le guide, avait averti le groupe de ce qui l'attendait. Le long du lac, oui. 80 km, 7000 mètres de dénivelé en 6 jours. C'est la haute route. Un retraité, un éducateur spécialisé, une employée de commerce, deux ex-championnes de ski, un directeur général et une enseignante en économie familiale ont décidé de réaliser leur rêve. Ce matin, ils sont partis à 5 heures de la cabane du Montfort. 5 heures plus tard, ils ont atteint la Rosa Blanche. Ils progressent sur le long replat qui longe le lac des Dix, avant d'attaquer la montée vers la cabane des Dix. Une étape longue de 9 heures, 17 km et 1800 mètres de dénivelé par forte chaleur. Séverin, le directeur général d'une grande assurance, marche en tête avec l'ex-championne olympique Dominique Guizine. Ils sont suivis de Peter, l'éducateur spécialisé de Zurich. Chaud! Et j'ai déjà une longue journée dans les jambes. Mais ça va. David Fazel, le guide, impose un rythme soutenu. Quand on arrive à planter son bâton comme ceci, dans la neige mouillée, c'est qu'on est en retard. Là, on est sur le replat. Aujourd'hui, ce n'est pas très important, mais on passe sous de nombreuses arêtes. On va continuer à plat par ici, jusqu'à ce qu'on arrive sur le versant nord. Là, ce sera moins dangereux. De là, c'est de nouveau à plat jusqu'à la cabane, ça ira. Mais il ne faut plus passer là derrière plus tard. Ça a été un mauvais hiver. On a compté près de 30 morts dans les Alpes suisses. Par négligence pour certains d'entre eux. Dans la nature, les conditions météo ont parfois un pouvoir de vie ou de mort. Quelques jours après le passage du groupe, des randonneurs perdront la vie sur la haute route. Le groupe s'est séparé. David, suivi de Séverin, Frenzy, Dominique, Yolanda et Peter, ont pris l'itinéraire qui passe nettement au-dessus du lac. On peut passer sur la terre avec les peaux? Ça ne les encrasse pas? Ah, c'est sec, alors c'est pas grave. Au cas où, tu peux les nettoyer. Oui. Je me demandais s'il n'y avait pas un danger d'avalanche de ce côté. On est sur le versant nord. Ici, c'est bon. C'est bon? Très bien. La neige avait encore une bonne adhérence. Oui, c'est vrai. Les bâtons tenaient. C'est vrai, il y avait de la résistance.
Paul, 72 ans, et Carmen suivent Ralph, le second guide, sur l'itinéraire du bas qui longe le lac des 10. Le soleil tape fort. Les cloques aux pieds font de plus en plus souffrir Carmen, et une montée de 600 mètres de dénivelé les attend tous. Les autres filles font pareil. Je me fiche des autres filles. Il fait vraiment chaud. Mais je crois qu'on arrivera à les monter, ces 600 mètres de dénivelé. Je vais enlever mon caleçon long et remettre mon pantalon, parce que j'avais prévu de dormir avec ce caleçon. Qu'est-ce que ça a à voir avec dormir ? C'est ce que j'avais prévu de faire. Mais tu t'en fiches, c'est juste de la poussière. C'est pas de la vraie crasse. Moi, je m'en fiche, mais c'est pour la cabane. C'est la première fois que tu dors en cabane ? Non, Paul, mais je suis une jeune fille du Toggenburg, propre et bien élevée. Chez nous, ça ne se fait pas d'apporter de la saleté chez les autres. Vous avez encore ces coutumes dans le Toggenburg ? Les habitants du Toggenburg sont des gens bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tout ça n'est pas joli, joli. Allez, viens. Tes pieds puent un peu. Quoi, Paul, mes pieds puent ? Oui, oui. Quelle connerie. Allez, viens. Ah oui, un petit peu. Donne-moi ce pied. Il ne pue pas beaucoup. Tu te vantes d'être une fille du Toggenburg irréprochable alors que tu pues. On dit ça des autres. Vraiment ? C'est aussi strict que ça ? Tu devrais mettre de la pommade. Le groupe de tête souffre aussi de la chaleur printanière. Et la cabane des 10 n'est toujours pas en vue après 8 heures de randonnée. Je pense qu'on le voit assez bien. Je mentirais en disant que je suis dans des pantoufles. 200, 50, combien ? 2800 peut-être. Ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît, ne plaisante pas. Moins de 200 mètres de dénivelé. Bon, c'est la vérité. On va dormir comme des bébés si la cabane n'est qu'à 2800 mètres. Demain, on aura la cuisse gauche grosse comme ça. David, dis-moi, donc, derrière ce rocher, là-bas, juste à droite, derrière le rocher. De là, on verra la cabane. Ouais. Super. Super, on est prêt. On est tout prêt. On peut y aller, mon brave. Ça va, tes pieds ? Tes cloques te font pas mal ? Non, ça va super bien. Non, je ne sens rien. Non, non. C'est vraiment super comme ça. Et mes cuisses portent à merveille. C'est vraiment fabuleux. Tout droit. Et tu freines. Mais tout d'un coup, de nombreuses plaques de glace et des fissures apparaissent sur le manteau neigeux près du lac. Paul reste coincé dans une fissure. Tout droit ? Par-dessus ? Là, il y en a une autre. Je passe par où ? Tout droit vers toi ? Il est merdique, ce passage. Il y a une autre fente, là. Ralph fait de son mieux pour guider Carmen et Paul. Attention, un instant. C'est comme avec des enfants. Tous les 5 mètres, il y en a un qui tombe et qu'il faut aller ramasser. On a pris le pire des itinéraires possibles. C'est pas grave. Je pensais que ce serait un peu plus court, mais au bout du compte, on aura mis plus de temps. C'est les autres qu'on voit là-haut, n'est-ce pas ? Tout à fait, ils sont là-haut. Le but est proche, mais la route est encore dure. Au loin, la cabane des 10. La voilà, on y arrive. Peter est là avec les autres, après avoir tout remis en question le matin même. Laissez-moi regarder alentour. Cool d'y être arrivé.
Même Séverin, l'ex-décathlonien, lutte pour avancer. Des fois, on se dit que ce serait une bonne idée de pouvoir arriver en voiture à la cabane. Ce n'est plus très loin, vous allez retrouver vos skis. Un peu plus bas, Ralph a porté les skis de Carmen et Paul en haut d'un passage escarpé pour qu'ils puissent avancer plus vite. On va trouver un bon rythme. Oui, oui. Il reste 150 mètres à monter. Oui. Formidable. Je pensais qu'il en restait 600. 150 mètres de dénivelé. Il faut quand même les faire. Enfin, le premier groupe arrive à la cabane des 10 après plus de 9 heures d'effort. Les pauvres pots. On y est enfin, bravo. Félicitations. Peter, viens, passe sur le petit mur. Bravo. Peter est acclamé comme un héros. Au bout de mes forces. Épuisé. C'était long. Oui, et chaud, chaud. Tu es arrivé avec le groupe thérapide? Mes derniers. Il y a clairement corrélation entre mes capacités physiques et la température extérieure. On pourrait encore ajouter l'influence positive du vent qui m'a sauvé pour monter jusqu'ici. La proximité de la neige est aussi un facteur favorable. Pour sa portance? Oui. Et je dois 4 bières à Séverin pour chaque petite brise qui nous a permis de glisser un peu mieux. À la fin, c'était long. Ça n'arrêtait plus. Je n'en pouvais plus de ce foutu lac. Surtout en avançant toujours du même côté, tout le long. Si seulement on avait pu changer de côté. Dans la partie inférieure, on ne savait pas vraiment par où passer. Alors on monte d'une butte à l'autre et à chaque fois, on espère que de là, on verra mieux. Tout d'un coup, on a trouvé la bonne trace et on a su qu'il nous restait environ 1 heure et demie. À partir de là, on gère et on avance tout simplement, comme un robot. L'orteil que Yolanda s'est cassé peu avant la randonnée est toujours bien bandé. Pour le moment, elle a hâte de voir son père arriver. Tu te demandes si ton père va bien? Oui. Il sera bientôt là. Le groupe va arriver dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Quand il marche, il y va. Comme un moteur diesel. Paul, comment ça va? Ça va encore. Un dernier effort. Encore une dernière conversion. Oui, je me réjouis d'y être. Paul a déjà fait la haute route, il y a plus de 50 ans. Voilà, on y est presque. C'est qui? Je pense que c'est ton papa. Oui, c'est Paul. C'est mon papa. Il est trop fort. Faire la haute route à son âge. J'ai une petite incontinence oculaire. Voilà. On est tous passés sur le muret avec nos skis. Tu le fais aussi? Faire la haute route ensemble. Un rêve qui se réalise pour le père et sa fille. Santé. C'est le bon moment pour s'octroyer une petite pause. Quand je vois que j'arrive à précéder des trentenaires, je suis entièrement satisfait. Félicitations. C'était astreignant, mais je vais récupérer et garder le meilleur. Bravo, Paul. Oh, excuse-moi. Pardon.
Bravo, Paul. Tu es incroyable, félicitations. Bravo, ça s'est bien passé. Oui, oui, mais en bas c'était l'enfer. Je suis même tombé dans une crevasse, jusqu'à la taille. Oui, près du lac, c'est ça? On a tout vu depuis en haut. J'ai pas réussi à en sortir seul. Après plus de 10 heures d'efforts, Carmen arrive elle aussi à la cabane. Tu as même pensé au jus de pomme plutôt qu'au coca. Fabuleux. Ça te va? Super. Voilà, on t'offre ça. Ça te dit? Non, mais merci quand même. Merci. D'abord à boire. Félicitations. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé? Non, on est arrivé il y a 2 minutes. Ils viennent juste de se changer. C'était un peu comme le jeu de loi. Une case en avant et 2 cases en arrière. La cabane est pleine à craquer. Ce jour de fin avril, tout au long de la haute route, 120 randonneurs à ski passent de cabane en cabane. On arrive ensemble au même endroit. Ça fait 900 mètres de dénivelé. L'étape du lendemain commence à la cabane des 10 par une ascension vers le col de la Serpentine, puis vers le Pigne d'Arola, à presque 4000 mètres d'altitude. Puis l'itinéraire redescend jusqu'au col de l'Évêque pour arriver au refuge des Bouquetins. Le groupe entamera une étape de 8 heures pour franchir plus de 14 km et 1500 mètres de dénivelé. Nous avons un groupe très rapide et un groupe rapide. Le but, c'est le refuge des Bouquetins. Le départ est donné à 5 heures du matin. Le vent s'est renforcé pendant la nuit. On monte vite là-haut en espalier. L'étape d'hier a laissé des traces. Carmen commence la journée dans la douleur. Oui, à la descente, je les sens hyper fort. Les cloques? Oui, mes ampoules. J'en ai toutes autour des talons. Oui. Tu en as plusieurs? Oui, des deux côtés. Je ne fais pas les choses à moitié. Au début, j'en avais qu'une, d'un seul côté. Ça allait encore. Mais là, oui, ça empire. Des traces de lutte. Il fait encore beau, mais les prévisions météo annoncent des intempéries. Par chance, elles arrivent plus tard que prévu. Paul subit le contre-coup des efforts de la veille. Séverin lui a proposé de porter une partie de son paquetage. Oh, ton ski s'est ouvert. Attends. T'as ouvert ta fixation. C'est bon. Maintenant, elle tiendra. C'est la haute saison sur la haute route. Des randonneurs venus du monde entier cheminent par groupe.
La montée pour gagner le col de la Serpentine est rude, malgré les couteaux fixés sur les skis. Les randonneurs contournent d'immenses failles dans le glacier, passant au-dessus de crevasses encore recouvertes de la neige de l'hiver précédent. On voit le Cervin. Le groupe fait une pause avant la partie la plus escarpée de l'ascension. Petite pause, remettez de la crème solaire. Buvez et mangez quelque chose, on repart dans 5 minutes. On passe par là. On avance à plat. Après, on fait 2 cordées, 5 et 5. Une fois arrivé en haut, c'est plat. Au niveau des rochers ? Oui, la première partie, ça va encore, t'es au soleil. Puis il faut faire une dernière conversion. Mais sur le dernier tronçon, s'il arrive quoi que ce soit avec les skis, tu finis directement à Rola. On va éviter, d'accord ? À cet endroit, une paroi de roche et de glace du versant nord tombe à pic sur Arola. Au-dessus, la pente escarpée mène aux pignes d'Arola et il faut la franchir. Un passage délicat qui mettra les deux guides à rude épreuve. Paul, je te propose de porter tes skis. D'accord ? Toi ? Oui. Tu n'as pas voulu les confier à Yolanda, mais moi, je peux te les porter. D'accord. Exceptionnellement. Exceptionnellement, tant mieux. Je te laisserai porter mes bâtons. Mets tes crampons, repose-toi un peu et économise tes forces avant d'attaquer la montée. On va marcher un certain temps avant d'arriver au refuge des Bouquetins. La pente est raide, mais on arrivera quand même à retenir quelqu'un qui glisse. Tu peux retenir 5 personnes. Eh bien, oui, c'est possible de tenir si on reste bien groupé, ça ira. C'est pas complètement vertical. On peut se retenir avec nos piolets. Et puis les autres réagiraient aussi en plantant leurs piolets pour freiner. C'est le passage le plus difficile de l'étape ? Oui. C'est le mur de la Serpentine qu'il faut franchir pour arriver au Ping d'Arola. Tous les membres du groupe en sont capables ? Oui. Ralph et David ont divisé le groupe. Tous encordés, les randonneurs progressent sur la neige verglacée, chaussée de leurs crampons. Le vent souffle de plus en plus fort. Il fait froid. Le front d'intempéries commence à s'installer. En montagne, la frontière entre la vie et la mort est ténue. 2 jours plus tard, à cet endroit, un autre groupe sera pris dans une tempête. Désorientés par les bourrasques, 7 personnes perdront la vie à cause du froid. Les conditions météo changent très vite et les guides endossent une responsabilité immense vis-à-vis de leurs clients. On peut se rassembler ici. Après l'étape d'hier, je craignais que ce soit beaucoup plus difficile de monter jusqu'ici. Mais ça s'est très bien passé. Plus difficile physiquement ? Oui, j'ai bien récupéré. Oui, c'est très bien même. Ça brûle. Je le sens. Quand on chausse ou qu'on déchausse les skis, ça fait mal. Mais pas autant qu'au début. Le groupe fait ses derniers pas sur le Pigne d'Arola, le point culminant de la randonnée avec ses 3790 mètres d'altitude. Les conditions étaient bonnes et tous les membres du groupe y sont arrivés. Même Paul, qui revient à cet endroit 50 ans après y être déjà venu. Félicitations. Merci. Bravo, Séverin. Merci. Bravo, t'as super bien marché.
bien régulièrement. C'est insensé. J'aurais jamais imaginé pouvoir revenir ici. C'est merveilleux. Pourtant, tu en as fait des randonnées en montagne. Oui, un certain nombre, en effet. Mais de loin, pas toutes. Ouais. Cette vue récompense tous les efforts, même si au loin, les nuages commencent à s'amonceler et que l'étape est encore longue. On va y aller, non ? Oui. Enfin, de nouveau, une belle descente. Avant de s'attaquer à la montée suivante. Le front nuageux approche. David, en tête, presse le rythme. Ralph s'occupe de Carmen. Carmen, tu as le temps de regarder le paysage alentour ? Ou tu n'oses plus ? Tu as perdu ta langue ? Non, je marche à mon rythme. C'est bien, alors ça va. Et les douleurs, ça va? Je peux faire quelque chose? Marcher devant toi et prendre le rythme? Prendre le rythme? Oui, marcher devant toi pour te motiver. Pourquoi pas? Alors allons-y. Le rythme est soutenu, on est dans les temps. Ça va, ça monte pas trop. Le brouillard se lève. Le vent devient tempétueux. Mais David connaît le chemin. Ça, bravo. Voilà, impeccable. Ça s'est bien passé, Paul? Tout va bien? Oui, oui. Au moins, il ne fait pas trop chaud. Le brouillard et le mauvais temps se lèvent. On va continuer par ici, en direction du refuge, où on se mettra confortablement à l'abri. On fera fondre de la neige pour avoir de l'eau et pour faire la cuisine. Cet après-midi, on aura de quoi s'occuper. Merci, guide. Merci le guide de nous avoir montré le chemin. Merci, merci. Carmen, impeccable. Oui, elle est super. La foulée est peut-être un peu lente, mais elle est toujours fluide. La condition physique, ça va, c'est plutôt dans la tête. Mes pensées font comme ça. Les jambes tiennent le coup, mais je serai content d'arriver. Je commence à en avoir marre. Je suis déjà en train de penser à la semaine prochaine et à celle d'après, à mon nouvel objectif, à ma nouvelle activité et à la meilleure façon de m'y prendre. J'ai réalisé que j'avais la tête ailleurs et j'ai coupé cette spirale en me disant « Reviens, tu es ici ». L'objectif du jour est le refuge des bouquetins. Un refuge haut perché au-dessus du glacier. Il n'est pas gardé, mais équipé pour se faire à manger. On y trouve des réserves de bois pour le feu. Un havre de paix retiré du monde, loin de l'agitation des grandes cabanes. Il ne reste plus qu'un jour de randonnée pour atteindre le Cervin et Zermatt. Je suis crevée. Ah, c'est super chouette. Je m'étais préparée au pire, mais c'est super. C'est très spacieux. D'habitude, le plafond nous arrive là. Attends qu'on soit tous là. On va se marcher dessus. Oh, mais c'est sympa. C'est joli. Entrez dans notre salon bien chauffé. Il faut... Ah, il reste de l'eau. Il faut qu'on fasse fondre de la neige pour avoir de l'eau. On a apporté des sachets de thé. Si quelqu'un veut du thé, c'est possible. Je dirais que vers 18h30, 19h, on va faire des tortellini. Et il y a des cartes pour jouer au yas. Un moment de détente bienvenue après 5 jours d'efforts. Je ne sais pas si vous arriverez un jour à faire une pause avec vos téléphones portables. Tu as réussi à tenir le coup et à faire une pause ?
Là, j'écris au mien à la maison. Il joue à Snake. Ne me dénonce pas. Tu as vraiment tenu le coup? Tu n'as pas pris de décision? Tu as uniquement jeté un coup d'œil? Oui, je n'ai fait que lire mes messages. Bravo. Pourquoi les lire si tu ne prends pas de décision? Ça me permet de rester au courant. Comme ça, j'aurai moins de travail en rentrant. Ça t'arrive d'avoir des vacances où tu ne lis jamais tes messages? Non. Mais pas parce que je n'ai pas le choix, c'est parce que je ne veux pas. Oui. Sinon, quand j'ai une semaine de vacances et que je reçois 150 mails par jour, j'en ai pour deux jours à les gérer en rentrant, ce qui annule l'effet positif des vacances. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je parle pour moi. Ce n'est pas scientifique, c'est une impression personnelle. J'ai réalisé que c'est plus motivant et plus satisfaisant de monter sur un sommet que de franchir un col. Et j'ai trouvé cette constatation intéressante. Hier, faire l'ascension de la Rosa Blanche et aujourd'hui du Pignon... Oh, j'ai oublié le nom. Du Pindarola. Oui, du Pindarola, quel nom. C'était nettement plus facile pour moi parce qu'on sait qu'on est tout en haut. C'est le point culminant et qu'il n'y aura rien de plus haut après. En montant vers un col, tu n'es jamais certain qu'il n'y aura pas une colline plus élevée derrière celle que tu es en train de gravir. Il y a un autre aspect qui s'ajoute à ce que tu dis. Tout le monde veut arriver au sommet. C'est une notion qu'on a tous intégrée. Sur un col, on n'est pas tout en haut, on n'a pas atteint le sommet. Moi, je préfère les cols au sommet. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça plus sympa. Peut-être parce que je n'ose pas regarder en bas à cause du vertige. Oui, c'est comme ça. Le groupe vient de partager 5 jours d'efforts et d'impressions mémorables. Ça brûle. Ça vient. Yolanda et Ralph se chargent du repas. Je vide l'eau. Je m'en charge. Éloignez-vous. L'eau va dégouliner sur le glacier. Ensuite, on les remet tout de suite dans la casserole pour les garder au chaud. On se dépêche de rentrer. À table, à table. Il faudrait un lit mezzanine. Bon appétit. Merci d'avoir préparé le repas. À quelques heures de l'arrivée à Zermatt, c'est l'occasion de faire le point et de se remémorer ce que chacune et chacun est venu chercher en décidant de faire la haute route. J'ai passé une très belle semaine de randonnée à ski. J'ai passé une très belle semaine en votre compagnie. On est un groupe formidable. La météo était de la partie. Le paysage me laisse des images inoubliables. C'était une expérience unique. Ton souhait de devenir plus courageux s'est réalisé? Je m'en suis approché d'un petit pas, mais il reste beaucoup à faire. Je me réjouis immensément de revoir mes garçons. Oui. Aujourd'hui, ma mère m'a envoyé une photo où on les voit jouer. J'ai l'impression qu'ils ont incroyablement grandi durant cette semaine. Oui, je vais retrouver des garçons plus grands. Je suis conscient. On ne fera plus de randonnées aussi longues. On fera des randonnées d'un jour ou deux. Mais j'imagine qu'on en fera plus d'une semaine entière, parce que pour moi, c'est... Je sens que je suis arrivé à mes limites. Il faut l'admettre. C'était très précieux, parce que c'est la dernière fois qu'on fait une randonnée comme celle-ci. Comme mon père l'a dit, on fera des randonnées par-ci, par-là. Des randonnées d'une journée ou d'un week-end, mais plus d'une semaine complète. Même pour moi, ça restera une expérience unique pour un bon bout de temps. Ça a été un peu éprouvant physiquement, mais pour la tête, ça n'a pas de prix. Je m'en rendrai vraiment compte la semaine prochaine. De l'effet positif ou négatif? Non, je pense que je serai plus fraîche et motivée pour me remettre à des tâches plus exigeantes sur le plan intellectuel. Après une semaine de parenthèse. Et puis il y a toutes ces impressions dont je suis imprégnée. Les paysages étaient merveilleusement beaux. J'ai pu faire une pause d'une semaine dans mes études, et ça, c'était reposant. J'ai vraiment apprécié de ne pas devoir ruminer des problèmes insolubles. Je n'ai vraiment rien fait.
Je pensais que je réfléchirais à un problème sur lequel je travaille en ce moment, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai tenu bon. Je n'ai répondu à aucun mail. L'entreprise existe encore ? L'entreprise est toujours là. Tous les collaborateurs aussi, je crois. Sur ce plan, j'ai tenu mes résolutions. Je suis content de voir que tout ne dépend pas d'une seule personne. De plus, ce qui m'a particulièrement fait plaisir, c'est de pouvoir enfin faire la haute route. Ça fait longtemps que j'en avais envie. J'ai été ravi de la faire en votre compagnie. Tu avais différentes motivations en arrivant. Tu avais envie de faire la haute route pour toi, mais tu voulais aussi la faire en souvenir de ta mère. À quel point son souvenir était-il présent pendant cette semaine? Je m'attendais à ce que le souvenir de ma mère soit nettement plus présent. Mais j'ai été si occupée par moi-même et par tout ce qui se passait que ça n'a pas été le cas. Je m'en suis rendu compte à la Rosa Blanche où j'ai ramassé deux ou trois cailloux pour les mettre sur sa tombe, mais rien de plus. Avec quel sentiment vas-tu rentrer chez toi et retrouver ta vie quotidienne? Quel sentiment? Eh bien... j'ai du mal à répondre. Tout s'est passé si vite. Il y a tellement d'impressions différentes. J'ai du mal à les exprimer. La randonnée s'est nettement mieux déroulée que ce que j'imaginais. Je n'arrive pas encore à bien réaliser. Aujourd'hui, ils veulent rentrer. Et moi aussi. Un dernier départ à 5 heures du matin pour descendre la pente verglacée du glacier à la lueur de la lampe frontale avant d'attaquer la dernière ascension de la randonnée. La dernière étape les mène du refuge des Bouquetins au col de la Valpeline, d'où l'on aperçoit le Cervin, suivi par une très longue descente sur Zermatt. Une étape gratifiante quand les conditions météo sont de la partie. L'étape du jour totalise 20 km et 1500 mètres de dénivelé. On va faire la dernière ascension où on devra porter nos skis. Après, on les remettra pour redescendre. La haute route, c'est aussi l'histoire de femmes et d'hommes qui ont accepté de repousser leurs limites. Qui ont appris à gravir des pentes glacées et escarpées avec des crampons, à se dépasser et à croire ensemble à un objectif commun. On vient de franchir le dernier mur. On va bientôt attaquer la descente finale. D'abord, on descend par là. On va en avoir pour 2 heures en peau de phoque. Ainsi s'achève cette aventure de 6 jours en haute montagne par une vue grandiose sur le Cervin. Tu reconnais cette montagne? Attends que je la situe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse de voir cette bonne vieille colline.
Daniel, merci beaucoup. David. Ah oui, David. David, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. En 6 jours, ces femmes et ces hommes qui ne se connaissaient pas sont devenus amis. C'était super. Merci. Dominique. David, merci pour merci. Tout. Super. Bravo à toi. Daniel, merci beaucoup. C'était super. Ça a été un plaisir. Vraiment ? Oui. Et quand j'aurai ton âge, j'aimerais bien pouvoir partir en randonnée comme toi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tes lunettes sont toutes embuées. Bravo, on l'a fait, papa. Encore une descente et je suis chez moi. C'est hyper drôle. Arriver directement chez soi après avoir fait tout ce trajet, c'est complètement dément. Je suis passée par des coins où je n'étais jamais allée. J'ai fait des tours de l'autre côté, mais là, c'est irréel. Et Paul a failli me faire pleurer. C'est vraiment une magnifique histoire que le père et la fille aient pu vivre ça ensemble. Enlève tes lunettes pour voir. Non, il y a du soleil. Moi, je ne les porte pas. D'accord, j'avoue, ça m'a ému. Certains sont devenus courageux, d'autres héroïques. Chacun avait son propre objectif en se lançant dans cette randonnée d'une vie. Parfois, le courage consiste à oser prendre le temps d'ajouter un nouveau chapitre à sa vie.